Comment dessiner Magnum, alias Tom Selleck, avec donc un crayon rouge, un crayon noir, un crayon à papier gras et un sec, de l'aquarelle jaune, vert, bleu, marron, rouge et de la couleur peau de chez Ecoline, numéro 381. Comme toujours, un premier croquis, vite fait, pour repérer la structure du visage, l'ossature, la forme du visage, l'écartement des yeux, la coiffure, les ombres principales aussi, très important. Souvent un portrait n'est pas ressemblant à cause simplement des ombres. Voilà, un premier jet. J'attaque maintenant, avec toujours sous les yeux mon brouillon et la photo originale, le dessin final. Donc c'est accéléré 6 fois. Mais je m'applique un peu. Pour l'instant, les yeux sont beaucoup trop approchés. Voilà, très gros sourcil. Encore une fois, un regard très clair, captivant, très expressif. Des fossettes très marquées, un menton très fort, la chemise hawaïenne. Voilà. Je passe maintenant au crayon gras pour souligner les parties importantes. Comme toujours, le regard le plus important. Les yeux qui tombent légèrement avec un strabisme. Comme je le dis toujours, bien observer la photo, bien regarder. Dessiner, c'est regarder. Magnum, c'est tout simplement ma série préférée, que je trouve incroyablement bien écrite, incroyablement bien jouée. Les scénarios sont pas forcément les plus originaux, ce sont des enquêtes policières, mais la façon dont c'est réalisé, l'écriture, j'adore. Donc, de l'Ecoline 381 pour la peau, pour les ombres principales, les plus marquées, un peu diluées pour les tons intermédiaires. La chemise hawaïenne, le décor un peu hawaïen, bon ciel bleu, ils ont essayé de refaire Magnum, c'est n'importe quoi. Magnum, c'est Tom Selleck. Le regard bleu, les cheveux pour l'instant qui ont l'air très clairs mais que je vais noircir. Voilà, de l'aquarelle noire maintenant. Je vais du plus clair au plus foncé, petit à petit. Voilà, je noircis les cheveux. Les cheveux sont jamais totalement noirs, ils ont toujours une couleur. Je rajoute des ombres au crayon, rouge. Le torse très velu de Tom Selleck, qui a beaucoup fait parler à l'époque. J'étais petit, mais je m'en souviens. Son regard de braise. Et voilà, c'était Tom Selleck. Il y a une petite quarantaine d'années quand il avait beaucoup de cheveux.